Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Oups! Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le feu de l'action. Donnez-moi une petite seconde. Bon, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi! Le 4 octobre, bien écoutez, depuis 9h30 ce matin, on a deux cycles et demi complets de fait. Il n'y a pas de direct, il n'y a pas plus de direction. On est en train de construire un support, mais quand on regarde les indices, vous savez, c'est en général les grandes capitalisations. Parce que c'est pas partout la même affaire. Là, il y a comme de la disparité, que je vous dirais, entre un secteur et un autre secteur. Ça fait que, bon, ben là, comme vous voyez, regardez, on va regarder les grosses caps, là. Ici, sur Nasdaq, bon, on a un rebond aujourd'hui, mais qui ne change rien dans la situation. C'est juste que, bon, on est sur le support, fait que petit rebond qu'on attendait, le volume n'est pas fort. Mais sur le dollar, il n'y a pas grand rebond là. Parce qu'il restait encore de la place, comme je disais, peut-être une journée, peut-être deux. Fait que c'est les grosses caps qui ont jumpé ce matin à cause du rapport d'emploi ADP, que les jobs étaient moins nombreux. Une journée, ils disent « Ah, il y a trop de jobs, les taux d'intérêt vont rester élevés. » Puis là, le ADP est sorti, puis ils ont dit « Il y a moins de jobs. » Fait que ça a fait jumper, mais pas n'importe quoi. C'est surtout les grosses caps. Puis le Dow aussi, regarde, il est tranquille. Puis le SPY aussi, un petit rebond, il n'est pas bien ben gros. Puis le SPTT, mais lui, il continue à la baisse. Fait que, regarde, ça revient de ce que je disais hier, avant-hier, là, OK? Je vais vous le dire quand ça va être fait, OK? Pour l'instant, on ne peut pas trop se fier aux grandes capitalisations parce que c'est toujours le sauvetage de marché avec eux autres, là, depuis un grand bout de temps. Fait que là, on s'en va dans l'énergie qui est en baisse pas mal, le pétrole aujourd'hui. Attends un peu que je me souvienne, là. Le pétrole, il était en baisse. Attends un peu, je l'ai oublié. OK. TTEN aussi est en DD crochage.
Puis le gaz, bon, ben, pas CC, attends un peu, ça c'est SCO, le gaz, il est plus loin. OK. Puis le gaz, il rebondit à sa résistance, mais ça ira pas plus loin que ça. OK. Dans mon livre à moi, là, ça ira pas plus loin que ça. Puis il est en train de revenir de toute façon. Le pétrole continue à acheter, les pétrolières continuent à acheter, l'argent ne fait pas grand-chose, l'or est à zéro, puis les orifères sont à zéro en descendant. Le dollar américain redescend, les mines vont descendre, puis l'uranium ne fait rien. Fait que c'est un petit peu disparate ce qu'on voit là sur les marchés. Qu'est-ce que je vois ici? Là? Qu'est-ce que je vois ici? Bon, ce matin, on avait des petits jumps du côté des airlines puis des recreational, mais c'est pas mal terminé. Là. Mais c'est juste ça là, qu'on voit partout. Là, regarde, up and down, up and down, up and down. Mais il n'y a rien de en pourcentage, il n'y a rien de gros là-dedans. Il là. Y a juste Nasdaq qui est plus fort que les autres à 8 dixièmes, mais le Dow est à zéro. Le SPY est à 19 centièmes, puis le TSX est négatif. Ça fait que, encore une fois, ce sont les grosses capitalisations. C'est eux autres qui sauvent les indices. Moi ces foutus indices-là, là, des fois, je commence à être écœuré pas mal. Pourquoi? C'est où l'idée de dire que dans des indices, c'est juste les grosses caps? OK? Il ne pourrait pas avoir un composite quelque part ou que les grosses caps ne prennent pas toute la place. Ça, c'est ma question que je pose au marché. Parce que regardez, Nasdaq, t'es un peu là. Je vais enlever ça, là. On va enlever le pré-séance, là, de toute façon, là. De même, puis demain. Bon. OK, on est rendu. Donc, Nasdaq, il revient sur son bas de ce matin pour la troisième fois. Regardez, Apple, il est revenu à zéro. Amazon, il redescend. Netflix ne fait pas grand-chose. C'est Google, c'est Meta, c'est Microsoft, c'est Tesla. En gros, là, c'est ça. C'est 4 sur 12, mais quand même, les hausses sont assez appréciables. Et puis, il y en avait un paquet de nouvelles. Ben, pas un paquet, là, mais quelques nouvelles ce matin. Là, le Manitoba, qui ont nommé un autochtone, qui a l'air très sympathique en passant. J'ai un blanc de mémoire, anyway, mais le chef conservateur puis le chef libéral, ils ont démissionné. Il y a le Legault qui vient de changer son fusil d'épaule. Il a décidé de retourner après avoir perdu les élections dans Jean Talon. Bon, il ramène le troisième lien, parce qu'il l'avait abandonné en disant « Le port de Québec n'est pas occupé à cause du télétravail ». Ouais, mais là, après avoir perdu le comté, là, ben, il vient de changer son fusil d'épaule. Fait que là, il va avoir tout le monde sur le dos. Puis il y a le Japon qui veut faire un sommet avec la Corée du Nord. Oups. Bon, les jobs privés, on en a parlé, sont sortis plus bas. Il y a l'histoire des infirmières en Ontario, que là, maintenant, ça va coûter 400$ par année pour avoir le service d'une infirmière, avant de voir ton médecin, probablement. Puis, il y a Kaiser qui vont tomber en grève avec 75 000 employés. Puis ça vient juste de commencer, OK, là? Ça finira plus. Parce que l'histoire des créations de jobs, là, ça passe d'un bord, puis ça s'en va de l'autre bord, là. On est en manque de main-d'œuvre. Ça fait que. Puis là, tout le monde en veut. Ça fait que là, ceux qui travaillent quelque part, ils disent tu me payes plus ou ben non, je fous le camp, je m'en vais ailleurs. Puis c'est ça qui se passe dans le moment. C'est-tu vraiment de la création ou du mouvement job? Parce que. Les jobs spécialisés, ils viennent pas tant que ça d'outre-mer, là, OK? Ça fait que c'est vraiment compliqué, la situation présentement à l'international, puis localement aussi. Fait que qu'est-ce qui va arriver avec ce marché-là, là? On ne sait pas. On est en train d'essayer de former un support, mais c'est bien plus fort sur le Nasdaq que les autres marchés qui sont quand même assez tranquilles. Je vous l'ai montré tantôt. Là. Regarde, Nasdaq, il y a un beau petit rebond, là, mais ce n'est pas le cas du DOR, ce n'est pas le cas c'est-à-dire DIA puis le DOR. Pas grand-chose sur le SPY, puis le TSX, ben lui, est en baisse. Puis les small caps sont en baisse aussi. Faisons le tour des secteurs. Le pétrole est en baisse. Les pétrolières sont en baisse. Le gaz fait un petit rebond qui est fini.
L'uranium a continué encore, il n'a pas fini, il a passé à travers son support, puis c'est pas fini. Les matériaux, ça continue encore à la baisse. Les orifères, à cause de la baisse du dollar américain, ben on n'a même pas de rebond dans l'or, là. Regarde, on a juste arrêté de descendre. Bon, puis regardez le stochastique qui se promène comme le ver à tête de marteau, là. Pour ceux qui ne le savent pas, vous voulez le savoir, vous m'écrirez ça dans le bord de question, vous expliquez, là, c'est le nouveau fléau extrêmement dangereux pour les enfants qui nous est arrivé d'Asie en 2018. Fait que ça fait 4 ans, mais on commence juste à en entendre parler parce que ça prend du temps avant que les enfants mettent ça dans leur bouche puis se ramassent à l'hôpital. Mais c'est extrêmement dangereux pour les enfants. Laissez pas jouer vos enfants dans les plates-bandes, surtout pas si vous restez à Westmont ou dans les quartiers riches. On n'a pas d'image. Ben non, c'est juste toi qui n'as pas d'image. Parce que et là, mon image graphique. X, Y, Z. T'as peut-être un petit problème quelque part, là. J'ai pas de problème de ça. J'ai pas de problème de rien. Moi, je me vois. Moi, je vois tout ça, là. D'habitude, t'as pas de problème, là, mais t'as peut-être un petit problème du côté de ton ordi. Il n'y a pas personne d'autre qui était le seul qui me dit ça. Parce que si j'étais juste en audio, je pense que j'aurais plus de messages que ça. Après 10 minutes d'émission. Fait que je peux pas savoir, moi, par après. Tout est OK, image et son, dit Odette. Bon, fait que j'ai juste toi, X, Y, Z, qui a ce problème-là, mais je peux pas te faire du troubleshooting de même comme ça pendant une émission. Puis, j'essayais d'aller faire un petit somme parce que j'ai passé la nuit à veiller Maggie Maminoun. Puis j'ai été dérangé par tout le monde. Fait que dans les 25 dernières minutes, je regardais quelque chose, là, l'émission de Ricardo, là. Oh, le bœuf braisé à la Corée du Sud, là. Oh, boy, je l'ai sauvegardé, là. Il va falloir que j'essaye ça. Et que ça allait bon. Ah, là, c'est OK, XYZ. Bon, c'est parfait, c'est revenu, d'accord, merci. OK, tant mieux, c'est revenu. Ben, regarde, c'est parce que quand il y a un problème de même, il y a beaucoup de personnes qui nous disent ça. Fait qu'on continue, on était dans l'or, OK, on a peut-être... Ben, regarde, ça fait assez longtemps que ça descend, mais on n'est pas encore rendu sur le bas du couloir. C'est ça qui me fatigue un peu sur la prise de position dans l'or puis dans les orifères, là, présentement. Fait que moi, je vous dirais, dans les orifères, là, regarde, il faut qu'on passe par-dessus le haut d'hier. Pas celui d'aujourd'hui, celui d'hier. Oups! J'étais en train de partir avec la fenêtre. Avec celui d'hier, OK? Parce qu'on n'inverse rien pour l'instant. Puis regarde, là, c'est bien facile, là, aller voir. Regardez, Barrick, il était encore en baisse. Center Gold, il est parti en fou un matin, puis il est redescendu. Endeavor, Wisdom, puis regarde, Victoria Gold, Agnico Eagle, il est retourné en baisse. Fait que je peux pas garantir que le support est assez solide. Bon, Shorter, il dit, tu viens de dire que les pétrolières sont décrochées, donc il est temps de prendre des positions à découvert. Bon, attends un peu, on va y retourner, là, avant de se prononcer, là. Drette là, ben, il a tombé quand même avec une grosse chute ce matin, mais là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose pour l'arrêter, tu sais. C'est comme quand les cascadeurs sautent en bas du building, là, il y a un matelas soufflé en bas qui les attend, là, mais là, ici, le matelas, il est loin pas mal, ça fait que... ça va finir par me revenir, mon affaire à propos. Et regarde, on fait une petite pause, je vais réfléchir. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus.
Bon, l'idée m'est pas revenue, là. Mais regardez, si on regarde USO, oups, il continue encore en baisse, USO, là. On le voit ici dans les ressources, là. Regarde, là, il semble pas être prêt à arrêter, là. Mais j'ai la mémoire, c'est une faculté qui oublie, fait que puis j'avais mis le doigt sur le piton ce matin, mais là, ça m'est sorti de la tête. J'ai pas toute ma tête aujourd'hui. C'est un petit peu compliqué. Quand je dors pas, là, je suis moins performant. Bon, où c'est qu'on était rendu? Bon, l'uranium, ça continuait, on a dit, les matériaux aussi, l'or, ça se repose, l'argent, ben, c'est loin d'être sûr. À mon avis, il reste peut-être un petit peu trop de... attends un peu que j'essaye de retracer ça, là, ici, dans l'argent. Ben, on a traversé le support, puis là, ben, le prochain support, il est là. Puis entre les deux, il n'y a pas grand-chose, ça, là. Fait que je pense que c'est pas encore tout à fait prêt sur le silver non plus, les mines non plus, parce que on est rendu au support, on aurait dû avoir un rebond ici, on l'a pas. Fait qu'il y a pas tant d'acheteurs que ça. Bon, consommation discrétionnaire, OK, on commence à avoir un petit rebond sur Québecor, ce qui vaut même pas à peine d'en parler. Les personnes qui trade ça, anyway. Ça fait que, mais on fait un nouveau bas sur Canada Goose. Magna, le support, il n'est pas fort. Puis on est entre deux supports. C'est entre celui-là puis celui-là. Fait que, puis regardez le volume sur le rebond, là. Écoute, c'est très, 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 très petit. OK, Magna à Toronto, là, il y a à peu près 600 000 de volume quotidiennement. Puis aujourd'hui, il y en a 50. Fait qu'il y a 10 % Non, 86. Il y a un peu plus que ça. Puis Canadian Tire, lui, il continue à la baisse. Il arrive à son support. Il devrait finir par rebondir, là, quelque part. OK? Parce que c'est un support bien important. Mais comme je disais hier, il pouvait rester une journée, peut-être deux, encore à la baisse. Là, on est en train de partir. OK, non, c'est ça. On parlait des pétrolières qui étaient en décrochage. En soins. La patente, elle marche pas encore, Colin. OK, bon. Ah, puis moi, je ne sais pas comment arranger ça. Ça me fait suer, là. Bon, anyway. Ça devait être sûrement être en swing trading et non pas en day trading. Sinon, tu aurais été sur le piton le direct à matin. Mais il reste encore de l'espace à la baisse, je dirais, du côté des pétrolières. Bon, si on regarde, ce serait SCO, OK? Donc, du côté américain. Mais le problème, c'est qu'on est déjà rendu au-dessus du couloir à cause de la grosse hausse qu'il y a eu sur SCO, puis la grosse baisse qu'il y a eu sur le pétrole. Ouh! On va mettre ça en 30 minutes pour voir si on a de l'espace quelque part. Ah, il n'y en a pas bien, bien. Il n'y en a pas bien, bien. À très court terme, là. SEBC dit QQQE est Equal Weight Index dont les big caps sont moins à l'effet que QQQU, si ça t'intéresse. OK, on va aller voir ça, SEBC. QQQE. OK, allons voir. QQQE. Ah! Ouais, mais il fait la même chose. Bah, il est equal weight, mais regarde, il fait la même chose que QQQ. Regarde, prenez une mémoire photographique, là. Puis on va aller direct sur... là, vous allez voir, c'est pareil. Plutôt, regarde le Nasdaq. Puis QQQE, pas mal pareil. Il n'y a pas beaucoup de différence là-dedans. Là. Pour ça que... Il y en a tellement c'est un power share, ça fait que c'est une sorte d'ETF, là, les power share. Il y en a tellement qu'on ne sait plus à quel sein se vouer, comme on dit. Bon, est-ce qu'on était rendu? Consommation discrétionnaire, petit rebond. Consommation de base, un bon rebond. Télécom, un petit rebond. Les services financiers, non, pas commencé encore. Et pourtant, ça fait un bout que ça chute là, dans les services financiers. Là. Fait que ça, pour l'instant, puis là, on est rendu vraiment, vraiment
Écoute, on ne peut pas plus être à côté que ça. Là, pourquoi ça ne rebondit pas? Je ne sais pas, mais probablement que ça va commencer demain, je suppose. Probablement. Les industriels, bien, OK, on a un petit rebond aussi. Fait qu'on on commence la construction d'un support dans quelques secteurs, pas partout. Dans les techs, oui. Dans les immobilières, oui. Après deux chutes de même, on est dû. Les services aux collectivités, oui, un petit rebond aussi. Après, regarde, on a eu de la chute là, dans les derniers jours dans certains secteurs. La santé, pas bien, bien. Puis après ça, bon, les biotech, c'est tranquille. Les autos électriques, on n'est pas encore convaincu qu'on a rejoint une crue du couloir ici, là. OK? VFS, il est en, les autos vietnamiennes, ça continue à planter. C'est encore en baisse de 10,3% aujourd'hui. Bon, il y a Rivian qui rebondit, Tesla qui rebondit, puis GM qui fait un nouveau bas. Ford qui s'en va vers son support. Xpeng, puis les Chinoises sont bien tranquilles. Non, le secteur, là, il n'est pas encore viré de bord dans les autos électriques. Ils vivent encore avec tous les mêmes problèmes qu'avant. Tu regardes Oshkosh, qui était un des plus forts, qui continue à chuter. Regarde, Nikola continue à la baisse. Hyzon aussi. Taiga ne fait rien. NFI, bon, il était soufflé. Fait que le temps n'est pas encore complètement arrivé. Ah, Legault qui s'est vanté d'avoir un projet extraordinaire, là, que Lyon va fabriquer ses propres batteries, mais moi, là, j'arrive pas à comprendre comment les autos électriques vont toutes fabriquer chacune leurs batteries. Bien là, regarde, pour l'instant, c'est Tesla qui avait pris le dessus. Pas rien que sa production de batteries, mais surtout sur les chargeurs. Toyota, tiens, qui était le plus fort il n'y a pas longtemps, il chute comme une roche. Polestar, il redescend. Frisker, il redescend. Workhorse, il ne fait pas grand-chose. Non, le secteur n'est pas encore mûr. Pour ce qui est des pétrolières, j'ai un petit bémol, là. OK, allez, vas-y pas trop fort. Regardez les batteries, ça continue encore en baisse, ça, là. Le cycle baissier n'est pas encore fini. Ça fait que si on regarde le couloir, il reste encore un peu de place. C'est pour ça que je disais une journée ou deux. Fait qu'on a une partie des secteurs qui ont arrêté de chuter, puis on a une partie des secteurs qui continuent à descendre. Les airlines, là, c'est parce qu'on est sur le bas de l'année. Hey, le bas de décembre, de mars, d'avril, puis le bas d'aujourd'hui. Mais, c'est pas trop encore concluant. Transat continue à descendre. Onex, lui, se tient. Air Canada, un petit peu, petit rebond. American Airlines, des petits rebonds parce que lui-ci, c'est sur le bas de l'année. Fait que c'est ce qu'on voit partout. Mais à mon avis, c'est pas assez solide, là. C'est peut-être encore un petit peu tôt aujourd'hui, si on veut pas partir à reculons. Puis les recreational aussi, c'est un petit rebond. Mais écoute, regarde, on a vu des rebonds de même dans les derniers mois, là, en juillet, en août, en septembre, en fin septembre. Puis là, on a ça ici. T'sais, le potentiel à la hausse, là, c'est comme 50 cents à une pièce, là, la plupart des places. Là. On n'est pas dans le point de revirement à la hausse. Ça, c'est clair dans mon livre à moi. La santé, pff, ça fait rien. Les blockchains, ça voulait rebondir ce matin, ça ne rebondit pas. Les énergies renouvelables, OK, regardez ça. Là, regarde. Ça, c'était la tendance. Après ça, l'autre tendance. Puis là, ben, on est dans un cycle baissier. Puis en déroute là, sur les énergies renouvelables. Fait que. Puis dans le lithium aussi, c'est vrai que le lithium, il y a l'ARC aujourd'hui là, qui chutait. Là. Ça, c'est Piémont qui est en baisse. Ils sont presque tous en baisse. Piémont. Puis ça, c'est l'ARC. À cause qu'il scinde en deux la compagnie avec. Je l'ai encore oublié. J'ai encore oublié, avec l'autre pays, là. Non, mais j'ai pas d'équipe en arrière qui me souffle les mots, moi.
C'est vous, mon équipe en arrière. Puis après ça, les biotech, c'est bien tranquille. On a un petit support. Puis les semi-conducteurs, oups! OK, puis encore là, c'était surtout Intel ce matin. Bon, Intel, qui rebondissait comme il avait fait hier, mais qui s'est redéveloppé pour l'instant. Bon, c'est à conserver, mais je crois pas que c'est à acheter dans ce secteur-là. Puis après ça, bien, où est-ce qu'on est rendu? Regarde, on est en train de se poser la question si ça va se tenir ou ça se tiendra pas. On est sur le top d'aujourd'hui, mais c'est toujours un petit rebond. Fait qu'on commence à construire un support parce que le marché a quand même pas mal descendu. Fait que ce ne sera pas une grosse... L'Argentine, oui, merci, XKZ. Maudit, argent, pour devenir vraiment souvenir. Argentine. Je suis pas sûr encore que c'est encore solide pour tout ce qui est des composantes électriques, des autos électriques, puis des énergies renouvelables, puis tout ça, là. Dans le moment, c'est ben là, puis là, le pétrole se remet à chuter. Fait que, OK, est-ce qu'on va vraiment connaître un rebond? Je pense pas qu'on va avoir la réponse aujourd'hui. C'est poche, là. J'aimerais bien dire les choses d'avance, mais c'est pas toujours évident. Tiens, le gaz qui rechute, le gaz qui repart depuis ce matin, il fait rien que ça descendre. Comme j'ai expliqué, le gaz, il n'y a pas d'avenir bien à court terme là-dedans. Fait, je l'ai expliqué 100 fois pourquoi que le gaz ne vaut pas cher. Là. En fait, le gaz, il coûte quasiment rien. Ce qui coûte cher, c'est de le compresser, de le refroidir, de les mettre dans des bateaux puis de les transporter l'autre bord. Puis rendu l'autre bord, c'est le même processus qu'il faut qu'il garde froid pour le transporter. Fait que le gaz, c'est la chose la plus difficile à transporter sur la planète. Hey, c'est du gaz, hein? Tu rouvres la valve puis ça s'en va dans le ciel. Moi, quand j'ai travaillé à l'Imperial Hall à Montréal, là, quand j'étais sur cette zone-là, là, parce que qui était la il y a plusieurs unités, il y a le cat cracker, il y a le propane, il y a le butane, puis il y a les tours atmosphériques et tout ça. Puis quand j'étais sur cette zone-là, tous les jours, on appelait ça un manifold. Là. C'était une espèce de patente, il y a à peu près 6 tuyaux, là, des tuyaux de 8 pouces de diamètre, puis il y a une grosse valve sur chaque. Puis là, bien... Tu regardes la torchère, là, tu sais, la patente là, qui fait du feu dans les raffineries. Puis là, tu rouvres la valve, puis là, tu entends. Puis là, tu entends. Ah, OK. Bon. Ça, le feu monte 50 pieds de haut. OK, c'est bon, ça marche. Tu fermes la valve, tu rouvres l'autre valve, tu fermes la valve, tu rouvres l'autre valve, tu fermes la valve. Ça, c'est le système de sécurité. Fait que ça faisait partie de ma job, certains jours, de tester le système de sécurité, c'est-à-dire le système d'évacuation des gaz. Parce que dans une raffinerie, tous les ballons, qu'on appelle des ballons, les réservoirs, en bas, c'est du pétrole, c'est de l'huile, OK, c'est du liquide. Puis il y a des valves en dessous, puis ça l'envoie le liquide aux bonnes places. Mais le dessus de tous les ballons, c'est du gaz. Puis sur le dessus des ballons, qu'on appelle, là, il y a des valves de sécurité. Après une certaine pression, c'est comme votre presto. Le piton saute, puis pfiou, la vapeur part en haut. Mais là, c'est du gaz. Fait que pour s'assurer que... Il n'y a aucune autre valve dans le système. Là. Ça s'en va direct à torchère, ça, cette affaire-là. Puis ça, si ça ne marche pas... Regarde, toss-toi. On a failli faire sauter la ville de Montréal-Est quand je travaillais à la raffinerie en 1980. Il y avait tous les pompiers de la ville de Montréal, puis de Pointe-aux-Trembles, puis tout ça qui étaient là, mais ils ne laissaient pas rentrer sur la raffinerie parce que ces gars-là ne savaient pas dans le temps comment éteindre des feux d'huile. Puis ils n'étaient pas équipés pour éteindre des feux d'huile, ils étaient équipés pour éteindre des feux de maison. Fait qu'il restait dehors. C'est nous autres qui s'occupaient de ça en dedans. Oh boy! Ça, je vais te dire une affaire le soir. Tu dormais. Moi, j'ai vu le chef de pompier à l'Imperial Oil
qui checkait pendant que la torchère était en feu parce qu'il y avait du liquide au lieu d'être du gaz dans la torchère. Puis là, ça tombait en bas en liquide puis en feu. Puis là, il regardait ça, puis là, il reculait. Vous savez, il y a toujours des espaces de confinement alentour. Puis le chef des pompiers est tombé dans l'huile. Écoute, c'est la première fois de ma vie que je voyais un chef de pompier paniquer, mais quand t'es plein, quand t'es peint d'huile puis il y a plein de feu à l'entour, c'est un peu énervant. Bonjour Michel, tu as l'air en forme? Non, je ne suis pas, mais content de te voir en live. Je ne sais pas si tu as eu mon courriel. On pourrait souper le 18. Ah, c'est-tu Sylvain L? Ben, je ne donnerai pas ton nom de famille, là. C'est-tu Sylvain L? Ça doit, parce que il n'y a pas d'autres Sylvain qui t'ont invité à souper. Fait que, oui, le 18, c'est loin, par exemple. OK. Je ne peux pas promettre d'avance. Hey, le 18, c'est loin, dans une semaine, deux semaines, là, puis là, il faut que je check, il y a des meetings là-dedans et tout, là. OK, ça pourrait être un peu compliqué. Oui, c'est ça. Ah, ben OK, Sylvain. Mais en passant, j'ai des cadeaux pour toi. Oui. Je te dis pas c'est quoi tout de suite. Je te réserve la surprise. Ça a rapport avec les arts martiaux. Je sais que tu es un adepte des arts martiaux. Ça fait que, OK, peut-être qu'on pourrait se trouver une date un petit peu plus proche que ça, parce que c'est, en tout cas, c'est compliqué pour moi j'ai peur de manquer le rendez-vous s'il arrive de quoi, là. J'essaie de faire mes petites affaires personnelles un peu en dehors. Hey, on se reparle, Sylvain, on peut s'appeler aussi au téléphone, là, tu sais. Hey, tu sais, mon téléphone, je ne sais pas si tu le connais, là, mais je peux te le... c'est toujours le même, je n'ai pas changé depuis des années, mais je pourrais t'écrire ça dans un courriel. On pourrait le choisir, puis c'était quelque chose qui fit parfait pour les deux, au lieu, parce que les surprises de ce temps-là, j'ai de la misère avec. Bon, on fait une autre petite pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du... Bon, je suis revenu. Ah là, OK, tu me reviens à la charge de XYZ, mais tu me reviens à la charge de la journée de l'émission publique. Là. Regarde, avec toi aussi, on pourrait se parler au téléphone, là, parce que juste, tu dis, pendant que le marché est plus ou moins, peux-tu faire un petit cours, car j'ai deux questions. Oh, mais le problème, c'est que ta première question, ça prend 15 minutes pour y répondre, là. OK. Différence entre les achats et ventes limites ou stop et comment les utiliser. Hey, t'imagines-tu? Ça se répond pas en une minute, ça. Ça serait n'importe quoi, là, puis ça serait galaché, là. Je pourrais t'expliquer ça. Je les utilise pas beaucoup parce que moi, je fais toujours des achats marchés.
pas compliqué, là, regarde. Moi, je regarde, je fais pas mes trades en dehors, là. Quand je trade, je trade, là. Puis des fois, je surveille des affaires là, puis même quand pas souvent, là, mais je peux pas coacher le monde là-dessus, c'est très, très personnel, mais moi, il y a une affaire qui m'intéresse, OK, je mets le signal là, puis là, moi, je regarde le graphique, il est dans un écran, je regarde le graphique, puis quand c'est le temps, clic, OK, go, j'y vais au marché, moi, le trois quarts du temps. Mais parce que là, les achats, les stops, les mythes et tout ça, là, donc écoute, regarde, c'est dans ma formation, mais on pourrait s'en parler en dehors des ondes. Ça ne me dérangerait pas de te jaser pendant quelques minutes. Là. Bonjour Michel, Lac a été scindé en deux, c'est ça. Lac 14-12 et Lac 8-58, ceux qui avaient Lac vont recevoir les deux titres. Ouais, ça se peut bien, là. C'est compliqué, cette affaire. On a plus souvent de ça des scindages, ce qu'on appelle des scindages, là. Puis c'est un petit peu compliqué, là, à trouver. Mais c'est parce que le LAAC, je pense pas que j'aille ça, moi. On va aller voir. LAAC. Non. Non, c'est pas sur notre bourse, ça. LAAC. C'est peut-être sur la bourse de là-bas, parce que t'as Lac. Lac, t'as Lac. Attends un peu, on va aller dans le lithium, là, premièrement. Là. Bon, oui, lithium. Attends un peu. Lac New York, Lac. Okay, Lac Toronto. Tu vois comment c'est compliqué? Lac 14-12, et LAC 858. Bon, 14-12. Tu vois, il était à 14-12 ce matin, là, puis il a rebondi. Mais c'est difficile à gager cette affaire-là quand tu as des actions dans un, puis là, à un moment donné, ils se séparent en deux, puis à deux prix différents. Vous voyez, rendu, il faut que tu sortes la calculatrice, là. Ça, c'est bien, bien compliqué, cette affaire-là. J'ai l'intention d'acheter 50 USB en US. USB, c'est UBS, USB. Ah non, c'est à Toronto, ça. Attends un peu, on va aller là. USB. Ouh, il y a de la broue dans le toupette. Ah, US Bank Corp. Ouais, mais tu sais que les banques, ils vont pas très bien, là, quand tu dis USB. 50 USB. C'est une bonne idée. Pas pour l'instant. Regarde, il s'en va par en bas, là. US Bank Corp. Regarde, on va aller voir le secteur financier, OK? Regarde, tout le secteur financier aux États-Unis, il est comme ça. Est-ce que ce support-là, il est assez solide? Bien, il n'est pas rendu à celui-là, puis il a traversé celui-là. C'est comme la première journée, là, comme je disais tantôt, là, il reste peut-être encore une ou deux journées. Moi, je suis pas convaincu qu'on a atteint le creux, là. Surtout que depuis une couple de semaines, là, on a beaucoup de stochastiques 5-2-2 là, qui sommet négatif, négatif, négatif. C'est pas très prometteur. Ça fait que. OK. Attends un peu, on va aller dans. Bon, regarde, tu vois, regarde. Attends un peu. Citigroup, il n'a pas fini de descendre. Bank of America, il n'a pas fini de descendre. Wells Fargo, hop, un petit rebond. J.P. Morgan. Ah, c'est quoi qu'il a dit, le gars de J.P. Morgan, un matin? Ah, il en a poussé une bonne, lui, un matin. Attends, je vais regarder, ouais, si je peux le retrouver. Vite, vite, là. Non, pas là. Ah, non, ça, c'est pas lui. C'est pas lui. Bon, tu vois, ça, c'est bien eux autres, là. Qui enlève les nouvelles après les avoir mis, mais il a dit quelque chose, le président de J.P. Morgan, un matin, là. Je me souviens plus pas en tout. Écoute, regarde, là. Je rajeunis pas, là. C'est difficile de se souvenir de tout ça. MS à 80$ aux États-Unis. MS. OK, mais regarde, on vient de traverser un énorme support. Il a descendu deux jours, puis il fait une petite pause comme bien d'autres affaires aujourd'hui, OK? Mais regarde, lui aussi, son stochastique est négatif. Fait que j'y crois pas trop. Mais là, 80, peut-être. Mais regarde, à 80,
il serait rendu à sa ligne de tendance. Puis honnêtement, là, ça dépend si c'est en swing ou en day trading. Là. Regarde, il y a bien trop de risques. Un peu, je vais enlever mes lignes. Regarde, il y a bien trop de risques. Ah, CMS, c'est justement Morgan Stanley. Là, il y a bien trop de risques qui se rendent jusqu'à son support. Donc, ce ne sera pas 80. Regarde, le support, là, il est à 73,5, mettons 74. Fait que, donc, on ne le voit pas ici, là, dans le graphique. Là, on ne le voit pas là, plus bas. Ça fait que c'est pas vraiment certain qu'il a fini de descendre. Donc, s'il redescend, là, je suis obligé de prendre un graphique hebdomadaire pour le voir, parce qu'il y a trop de différentiel là-dedans. Ça fait que si il redescend jusqu'à son support-là, ben c'est fort possible que ce soit plutôt 76,5, 77. Parce qu'il est un petit peu trop tôt, Camille. L'AAC, tu l'as sur Traders Plus. Ah, OK, c'est parce qu'il vient juste d'arriver? OK, on va aller voir. LAAC, c'est où? On va essayer, là. Un peu. On va prendre ça. On va prendre ça. On va. Ben, ça, ce ne sera pas au Canada, c'est sûr. Ça devrait être Nasdaq. LAAC. Non, c'est pas Nasdaq. C'est probablement New York. Hein? Ah, OK, il est là. Il n'est pas très beau, hein? Ah, c'est ça. C'est sa première journée aujourd'hui. Hey, t'as-tu vu comment il n'y a pas de volume dessus? Regarde. Il ne fait rien pas en tout pour l'instant, là. Demain, on va avoir une cote là-dessus, parce que dans Marc, ben, je pourrais la faire, mais on verrait juste une cote. On verrait que le haut il est là, que le bas il est là, puis que la cote est au milieu. Ça donnerait juste une cote avec une cote de haut en bas, puis une cote en plein milieu de l'autre cote. Fait qu'on verrait pas grand-chose dans le graphique quotidien. Mais en tout cas, c'est bien compliqué, les affaires là, de LAAC. Là. C'est sa première journée de trading, mais il y a tellement pas de volume là-dessus. Je n'ai pas le volume total de même là, dans Traders. Attends un peu, je vais faire quelque chose. On va faire... voyons. Ça doit être comme ça. Ah, OK. C'est New York. LAAC. New York. Envoyez-le en haut de la liste. Hein. C'est quoi son volume? LAAC, 865 000. OK. Bon, pour une affaire de ce grosseur-là, c'est pas si énorme que ça, parce que LAC, si tu regardes LAC, LAC à New York, c'est 1 800 000, là, donc il y a trois fois plus de volume. Puis même sur Toronto, 263 000. Bon, il y a bien plus de volume sur LAC aux États-Unis. Anyway, moi, je ne sais pas quoi faire avec ça. Tu comprends? Regarde, ça, tu as ça dans ton compte, puis t'attends qu'il te donne le chiffre, là, ou bien, à moins que vous soyez mathématicien, là, Claude 57 est plus... Eh oui, j'avais perdu l'image, je viens de changer de patente, là. Ah! Bon. Anyway, ouais, c'est ça. Bon, OK, d'accord, Caro. Le problème, il était en avant de mon ordinateur. J'avais oublié, j'avais pas pesé sur la bonne collection de 5, fait que je parlais tout seul. Mais pour ce qui est de 50 USB aux États-Unis, là, Camille, attends encore une couple de jours. C'est pas fini.
Puis Camille aussi, là, OK, Camille, OK. Puis les services financiers américains, là, c'est pas fort non plus, là. OK? On parle de MS, là. MS, voilà. Le Morgan Stanley, là, j'y crois pas trop au support, OK? Regarde, je l'ai analysé pendant que personne m'écoutait, là. Ben, vous m'entendez. Il reste trop d'espace à la baisse ici, là. C'est un petit peu prématuré. Puis merci pour LAAC, là, sur New York, là. Regarde ça, ils foutent rien, là. Regarde ça, il y a eu un des gros volumes à une place. Il y a eu un 100 000 ici, là. Hey, mais les derniers volumes, là, c'est même pas 1000 actions. Fait que c'est bien tranquille. Il n'est pas encore assez connu, je pense. Oui, d'accord pour les images. LAAC aussi à Toronto. OK, d'accord. Regarde, on peut changer, là. T espace LAAC, ce ne sera pas différent. Regarde, c'est la même affaire, mais il y a encore moins de volume sur Toronto. Ça fait que, tu comprends, c'est pas l'affaire idéale à trader à Toronto, là. Regarde, je peux le changer. Je ne l'ai pas enlevé. OK, attends un peu. Je vais faire ici. Bon. Là, je vais mettre LAAC à Toronto. À Toronto. En haut de la liste. Ah! Attends un peu. Je vais descendre ça. Il y a 43 000. Tu vois, regarde, aux États-Unis, 868 000. Puis à Toronto, 43 000. Le prix va suivre, mais la liquidité ne sera pas là, par exemple. Merci, Michel. Michel-e. Bon. Quoi d'autre? Ouh, c'est de l'ouvrage aujourd'hui encore. OK, j'ai un invité qui vient à 14 heures. OK. La prochaine émission va être à 15 heures parce que j'ai bien du monde, là. Mon comptable, le directeur des abonnements, deux gars qui viennent chercher des armes à feu. Il faudrait que j'étais un petit peu dans le jus, puis j'ai pas ma meilleure journée, étant donné que Marguy m'a gardé réveillé toute la nuit. Attends un peu, je veux que j'enlève ça, cette affaire-là, là, comme ça. Non, on va fermer ça de même, tiens. OK, bon, that's all. Bon, fait que finalement, ce qui arrive, c'est les marchés. Fait que c'est toujours la même affaire. Fait que là, on a des secteurs qui commencent à se construire un support, puis on a des secteurs qui continuent encore à la baisse. Comme j'ai fait la tournée plus de bonne heure, plus tôt, on devrait dire. Pour l'instant, regarde, le gaz continue à la baisse, le pétrole continue à la baisse, l'or, l'argent, ça fait rien. Puis c'est bien, bien, bien tranquille du côté des ressources. C'est surtout les grosses caps qui ont fait des rebonds cet avant-midi sur l'assomption qui fait que les parce qu'il y avait moins de jobs, ils ont dit « Ah, ben là, les taux d'intérêt ne resteront pas aussi haut. » Fait que tout le monde s'est garoché vers, pas tout le monde, mais les institutions sont garochées vers les grosses caps, puis les plus grosses capitalisations, en passant. Bon. OK. OK. Bon. Ben là, c'est là que j'arrête, là. Regarde, c'est pas... C'est tranquillement, là. OK? C'est tranquillement, là. Faites attention de ne pas aller trop vite parce qu'on était dans des bonnes corrections. Puis le petit rebond qu'on a eu aujourd'hui sur l'histoire des jobs privés et qu'il y en avait moins que prévu, bof, ça vaut ce que ça vaut. Comme quelqu'un a dit ce matin, c'est pas fiable le ADP, puis je suis bien d'accord avec ça. Ça fait que je suis bien tranquille. Je pourrais bien faire une autre demi-heure, mais pour répéter la même chose, ça ne vaudrait pas la peine. Fait que moi, je vous dis, regarde, c'est la journée publique aujourd'hui, mais je vais vous revenir à 15 heures, OK?
À 15 heures, après avoir fait toutes les affaires que j'ai à faire, j'ai pas le choix parce que je suis débordé, embourbé de toutes sortes d'affaires. Les lettres du gouvernement, la CNSST, les banques qui disent « T'as pas activé ta nouvelle carte de crédit? » Quelle carte de crédit? Il est peut-être dans la pile quelque part là-bas, la carte TD. Hey, c'est ça. Ils sont rendus qu'à cette heure, ils t'envoient un courriel, puis il faut que tu prennes ça pour du cash. Hey, j'ai le téléphone, OK? Moi, c'est ça que j'haïs, là, dans toutes les entreprises présentement, là, c'est qu'il n'y a plus personne qui t'appelle. Puis toi, tu n'es pas capable d'appeler personne non plus. Non, non, non! Faut que tu rentres dans ton compte, OK? Faut que tu rentres dans ton compte sécure, ou il faut que tu rentres dans ton dans toutes les affaires qui est c'est quoi le mot là? Mais on arrive dans toutes ces affaires là comme à l'Hydro-Québec, là, faut que tu rentres. Hey, écoute là, c'est rendu que ça prend des mots de passe puis des noms d'utilisateurs pour toutes les maudites compagnies parce que tu n'es plus capable d'appeler personne au téléphone. Non, mais c'est pas frustrant de penser. OK, je comprends qu'il y a un manque de main-d'œuvre, mais le service, il est rendu où, là? Hein? Il est rendu où, le service? Il n'y a plus de service. Puis moi, je me demande comment les gens encore plus vieux que moi, ils font pour se dépatouiller là-dedans. Puis là, après ça, ils viennent te dire, bien, on t'a averti. OK, ouais, merci, on t'a averti. Des courriels, moi, j'en ai à peu près 6 différents, là, parce que j'ai 2 entreprises, puis différentes affaires, puis le courriel personnel, puis regarde, faut que tu checkes tous les courriels, pour pas t'échapper à rien, parce que ça peut que ça veut rien dire, parce qu'on a tellement de spam dans nos courriels, que moi, quand une banque a dit, clique ici pour activer ta carte de crédit, là, veux-tu aller te faire foutre, toi? Moi, je clique pas n'importe où pour activer des affaires supposées. Hein? C'est quoi ça? Oups! Juste pour faire sûr. Oui. C'est... D'accord. Cameco, on s'arrête ou on continue? Je m'arrête ou je continue? Cameco, c'est l'uranium. Il n'avait pas tout à fait encore fini. Bon. OK. Bon. C'est un gars qui me textait et me disait, « Hey, la Browning Auto-5, là, moi, je la veux. » Ben oui, je te l'ai réservée. On est dans le temps de la chasse, hein? Fait que c'est le meilleur temps pour faire ça. Mais hey, écoute, je reçois tellement des appels. Il y a du monde qui m'envoie des appels, des courriels, puis pas des courriels, mais des textos à 11h le soir. Fait que... Regarde, on est rendu au couloir, là, OK? Ça, c'est Ura, mais Cameco, ça va être pareil. Regarde, tu comprends? Parce que Ura, c'est Cameco. Fait que là, on arrive ici. Fait que là, on devrait, OK? On devrait, mais c'est pas si évident que ça quand on regarde en intra-séance. Puis là, c'est Toronto ou n'importe quoi? En tout cas, Toronto, oui. Toronto. C'est parce que si tu avais acheté ici, tu te serais fait prendre. Si tu avais acheté ici, tu te serais fait prendre. Si tu achètes ici, est-ce que tu te fais prendre? Il faut inverser cette tendance-là. OK? 49,5, bon, OK, il y a à peu près 2% là, pour aller traverser là. Mais on va voir dans les prochains jours comment ça va. En tout cas, si tu veux prendre une position, Marc, là, on s'arrête ou on continue vers le bas? Bien, on devrait s'arrêter là parce qu'on est rendu au couloir. OK? Je ne penserai pas qu'on va traverser de même. OK? Je ne penserai pas. Mais on n'a pas la preuve qu'il est solide encore. OK? Regarde, demain, c'est jeudi, là. OK? Regarde, on fait une couple de journées, là, jeudi, vendredi. Puis là, on aura le point. OK? Par là, c'est on continue. Par là, on s'arrête. Puis par là, ça recommence. OK? Tu as toujours 3 directions. Rappelez-vous comment j'ai expliqué ça. J'explique ça en long et en large. Là. Le chiffre 3, c'est le chiffre universel. OK? Donc, c'est par en haut, par en bas ou de côté. C'est comme ça que ça marche. Comme au golf. La balle est trop haute, trop basse, juste au milieu. Trop à gauche, trop à droite, en plein milieu. Fait que c'est parce que le reste, ça devient des angles.
Mais la direction, c'est, il y en a trois, parce qu'on ne revient pas en arrière. Qu'est-ce que tu veux? On ne revient pas en arrière dans à peu près rien dans la vie. Fait que si on parle du futur, c'est toujours trois directions. Okay? Ça fait que pour l'instant, on n'a pas confirmé que l'arrêt de la baisse. Fait que ça nous prend au moins un jour ou deux, comme je disais hier, au moins un jour ou deux sur les affaires qui sont en train de s'arrêter pour dire « Ah! Au moins, là, on a un bon support. » C'est-à-dire que les vendeurs ont arrêté de vendre. Mais là, il ne faut pas en acheter trop, pas trop d'actions, pas trop de compagnies, parce que si ça repassait par en bas, là, on est obligé de liquider tout ça. Puis comme on sait que tout le monde a bien de la misère à prendre la décision de sortir dans quelque chose quand ils font une perte avec, bien là, vous pouvez vous ramasser dans un point d'indécision, là, OK? Je vous laisse aller là-dessus et je vous retrouve à 15 heures. Merci d'avoir été avec nous.